Concentration. Attention, concentration. EOT, on est sur Timberborn, mise à jour 5. Timberborn, que je connais pas du tout. Allez, soyez calme. Allez, allez. On a fait les trucs d'émissaire. Et on se fait masse pognon. Les trucs d'émissaire, c'est les trucs que t'as que quand t'es level 60. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Wow. Merci. Bonjour VOD, du coup, on est sur Timberborn. Excusez-nous, on avait une conversation sur Sea of Thieves précédemment. On parle un petit peu des nouveautés, tout ça. Mais là, là, on est sur Timberborn. Un jeu de gestion avec des petits castors. Qui a l'air sympathique. Ouais, 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 coucou la VOD. Merci, coco. Pour ton 10e mois d'abonnement, merci beaucoup. Représentant d'une société. Ok. C'est trop bien les castors, mais oui. Merci beaucoup pour ton 10e mois, merci. Et bienvenue. Bonsoir VOD, on vous dit bonsoir. Attendez, j'affiche le chat quand même. Pour vous dire bonsoir. Et après je l'enlève, parce que ça gêne un peu. Enfin, c'est pas que ça gêne, mais c'est que... un peu. Voilà. Alors il y a de la musique à la base, mais j'ai parlé trop longtemps et du coup la musique s'est arrêtée. Mais c'est pas grave. Oui, ça va petit cocotte, merci beaucoup. Ça va jouer tranquillou. Et voilà, et petite découverte. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jeu de gestion, alors c'est bien. Attention, je vous cache maintenant. Nouvelle partie. Alors j'ai jamais joué, donc on va faire vraiment les trucs classiques. Ah non, on choisit sa faction. Ok. Les rustiqueux. Sympathique, mes travailleurs. Les rustiqueux sont de très bons fermiers. Ils respectent la nature et celle-ci les remercie par son abondance. Leur slogan, confort, nourriture et bois dur. Rustiqueux, bois dur. Ouais, d'accord, c'est les hobbits. Oh, ils ont des petites voix. Peggy 18. Les dents de fer, déserteurs des techniques traditionnelles du bois, ils ont su maîtriser le fer et la science pour construire des machines avancées. Ils progressent avec ingéniosité, efficacité et mépris pour l'environnement. Leurs deux fils, travaillez dur, travaillez dur. Ok, on a la droite et la gauche. Pour débloquer, atteignez le bien-être à niveau 15. Ah, c'est ça. Bon, bah, on a de toute façon pas le choix. On va prendre les petites rustiqueux. On nous censure. C'est toi, censure. Bah oui, du coup, oui. Alors, le niveau de la map. Ouh là là, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Les cascades, les lacs ou les plaines? Les cascades, ça a l'air sympa. Adapté aux débutants. Ouais, je vais prendre les maps adaptées aux débutants. Un stratagème ancestral qui consiste à dire aux enfants que les cascades sont des écluses. Dernier passe des semaines à chercher un levier pour les arrêter. Ils sont cons les gosses. Écoute, cascade j'aime bien parce qu'il y a des cascades. Et on va jouer en normal. On a facile. Vous débutez encore et vous jouez juste... vous voulez juste une expérience de construction de ville en toute détente. Votre colonie commence avec une abondance de ressources. Les castors consomment moins de nourriture et d'eau. Les sécheresses, et les infections des eaux sont rares et courtes. Vous voulez relever le défi? Votre colonie commence avec une quantité. Punaise, j'écorche les mots, ma bouche écorche. Suffisante de ressources, les sécheresses et infections des eaux sont moins intenses, mais empirent avec le temps. Les humains n'ont pas survécu, vous n'y arriverez pas non plus. Ah oui, d'accord. Ah, du coup, il y aura un lore avec les humains qui sont morts. Votre colonie commence avec peu de ressources, les sécheresses et infections des eaux sont sévères et s'empirent avec le temps. Aiguisez vos incisives et personnalisez. Let's go, normal. Si un bâtiment est noté comme solide, votre hutte, comme hutte ou un entrepôt, attends, comme une hutte ou un entrepôt, vous pouvez construire d'autres structures sur son toit. Oh, c'est rare ça, dans les jeux de gestion. Oula. Ah, mais il n'y a pas d'ambiance sonore. Enfin, il n'y a pas de musique. Ah, si, c'est bon. La colonie. Comment qu'on l'appelle? J'avais pas pensé. C'est post-apo, ouais. C'est un Mad Max, un peu. La construction en hauteur. Ah ouais, c'est rare ça. C'est l'albatros, mais est-ce que j'ai déjà mis dans Palworld? Castalbatros. Ah, Castelbatros. Castel, Castor, Castel, gros bois. Non, on peut faire un jeu de mots entre Castor et Castel, genre château.
C'est un bordel avec les escaliers au bout d'un moment. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai pas trop regardé justement parce que je savais que j'allais le faire. Donc je découvre vraiment. Castelqueue. Eh franchement, c'est pas si mal Castelqueue, non? Je sais, j'aime bien le côté castel. Go hein. Non, c'est bien. GG Infernal, c'est bien. Oh, regardons les petits machins. Ok. Oh, j'aimerais trop pouvoir... Ah oui, non, faut pas trop baisser dans cet angle-là. Voilà. Ah mince. Et des bébés. Ah, c'est bien, je suis bien, moi. Je vais les laisser. Ils sont mignons comme ça. J'y touche plus. Ok, j'ai pas de tuto parce que j'ai pas désactivé. Si, il est petit le tuto. Non, je vais pas faire de voix. Oh si, j'aime bien faire une voix. J'aime ça, j'en profite. Vous savez, c'est une goïcélère. Bienvenue dans ce tutoriel. Vous allez découvrir. Oh sinon, j'ai une petite voix. Ah oh, ouais, parce que c'est un peu des casteurs, alors ils ont une petite voix. Super. Bienvenue dans ce tutoriel. Vous allez découvrir comment établir une colonie de casteurs. Ça sature un petit peu, non? Chaque colonie a besoin de rondins, seul les bûcherons. Non, mais ça va être chiant. Ça va être chiant, je vais rester comme ça, mais avec écho et réverb. Voilà, là c'est bien. Chaque nouvelle colonie a besoin de rondins. Seuls les bûcherons comprendront des arbres. Alors placez les drapeaux du bûcheronnage à proximité des arbres. Ok. Des drapeaux de bûcheronnage. Drapeau de bûcheronnage. Je le mets à proximité ou dedans? Dans la forêt? Non, en proximité, tu vois. Comme ça. Faut que j'en mette deux. Je vais mettre à côté des deux, du coup. Comment je tourne? C'est ma caméra. Je vais le tourner! Non! Retour en arrière! Contrôle Z. Fuck! Bah c'est pas grave. R. Mais mince, mais... Castox. Ah, c'était mignon, Castox. Ah, voilà. Voilà. Ah, R, oui, voilà, ça y est, je vois. Ok. Parfait. Du coup, ça construit petit à petit, c'est ça? Parce que là, il n'est pas construit, là. Trop éloigné. Un district et ne peut pas être atteint par les constructeurs. Construisez plus de chemins. Ah, continuez. Je peux pas construire de drapeau hors zone. Bah sinon je fais un chemin. Chemin et structure. Chemin. Hop. Quick. Quick. Bâtiment non relié. Voilà. Et on m'emmerde pas. Et là c'est nickel. Ah voilà, il le construit. Il construit ou juste il analyse? Oh, il a construit là. Et du coup, ils font quoi maintenant que c'est construit? Attendez, là, il y a ça. Rien à faire à porter. Quoi? Mais il y a un arbre juste à côté. Ah. Il est pas assez proche. Sélectionnez les arbres à couper. Alors, indiquez au bûcheron ce qu'il doit faire. Pardon. Indiquez au bûcheron ce qu'il doit faire pour qu'il se mette au travail. Utilisez l'outil coupe des arbres. Afin de déterminer la zone d'abattage, seuls les arbres se trouvant à portée d'un drapeau de bûcheronnage peuvent être abattus. Sélectionnez un drapeau afin d'afficher sa portée. Ah. Ouais, mais attends. Comment je fais la zone? Le tuto, il est pas clair. Construis pas et regarde. Oui, c'était ça, ouais. Coupe des arbres. C'est ça, l'outil. Coupe des arbres. Ok, c'est tout ça qu'il peut faire, donc ça va. Coupe des arbres. Coupe des arbres.
Voilà. C'est fait ? C'est relié à ça ? Attends, faut que je fasse encore coupe des arbres ici. Voilà. Il faut que je construise une pompe à eau. L'eau est essentielle à la survie des castors. Construisez une pompe à eau pour garantir la disponibilité d'une eau potable. N'oubliez pas de la relier au centre du district. Ok. Ça. Pompe à eau. Pompe à eau. Il faut que je la mette dans l'eau. Oui. Oui. Je suis en pause. Pourquoi je suis en pause? Ah non, c'est qu'ils font dodo. Ils font dodo. C'est pas nocturne les castors. J'utilise la GoXLR Bloody, mais faut faire gaffe dans selon le serveur où tu vas, les modificateurs de voix sont interdits parfois. Ça dépend. Nous on attend quand tu dis mais pas le jeu. Oui c'est vrai. Pas dans le jeu. Voilà c'est paralysé. Non parce que... Alors les castors ça fait partie des rongeurs ou pas? Parce que les rongeurs la plupart sont nocturnes. Hein. Enfin bon c'est pas grave. Non en vrai j'en sais rien du tout. Enfin si, beaucoup de rongeurs sont nocturnes. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Je sais pas. Bon allez construire là. Non je vais pas désactiver tuto du tout. Allez construire ça. Ils y vont pas. Ah si, non ils y vont pas. Pourquoi ils y vont pas? Pourquoi ils y vont pas le construire par contre là? Ah si c'est bon il y va enfin. Ah c'est qu'il allait chercher du bois peut-être avant. Oui c'est ça il allait chercher du bois. Ok c'est en cours, c'est en cours. Super long. C'est bon. Dans des régions reculées peu dérangées par les humains, les castors sont parfois actifs diurnes. En général, cependant, ils sont nocturnes. Les castors passent la journée à dormir, à se reposer, à prendre... Se reposer à prendre l'eau à la tombée de la nuit pour se nourrir ou travailler. Et ouais. Je savais. Bon du coup, on a une pompe à eau. Les castors ont également besoin de nourriture. Placez un drapeau de cueillette à proximité des buissons de myrtilles. Oh ça on le savait. Les myrtilles. Les myrtilles. 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 Les cueilleurs récoltent automatiquement les baies qui se trouvent à la portée du drapeau. Sélectionnez le drapeau de cueillette pour afficher la portée. Oh ouais, d'accord. Je vais faire ça. Merci pour le Célox, la meilleure si j'en tiens. Drapeau de cueillette. Bon là, il y a plein de baies. Il y a full baies. Il y a moult baies. Je mettrai bien sur le même chemin. Comment ça? Oh. C'est toi, t'es rien. Non, c'est pas vrai. Coucou, c'est qui? C'est Vendels. Mais non, pas bêtise. Mais... Ça y est, vous vous rappelez que j'ai enfin des émotes. Il y en a eu deux depuis le début du live, il y a 1h33. Et maintenant, tiens, vous êtes dit, c'est vrai, il y a ça. Enfant que vous êtes. Oh, il y en a une qu'il faut que je mette en place. Drapeau. Bah, j'ai mis le drapeau. Drapeau de cueillette. Il faut que je fasse... Ah non, c'est bon. Ferme. Les drapeaux de cueillette, du coup.
Quelle est sa portée? Oh ouais, c'est bon, il y a une bonne portée, c'est très bien. Le TTS est trop cher. Il a été spammé, comme d'hab, hein. À chaque fois qu'un truc devient cher, c'est parce qu'il est full spammé pendant une soirée que ça devient insupportable. Il a été spammé parce qu'il était uber pas cher. Mais comme ça, maintenant, il a un intérêt. Les gens vont un peu plus réfléchir pour l'utiliser. Rip la VOD. Non, ils ont l'habitude. Une colonie a besoin, pardon, d'une source de nourriture stable. Construisez une ferme pour planter et récolter des sculptures. Des cultures, pas des sculptures. Les sculptures, ça se mange pas. Si vous n'avez pas assez d'ouvriers, vous pouvez mettre certains bâtiments sur pause. Oh! Pour ce faire, sélectionnez un bâtiment et cliquez sur le bouton pause. Comme de nombreux autres bâtiments, la ferme a une portée limitée. Oui, d'accord. Bros Boys. Toi, Gross Boys. ok. Ferme efficace. Est-ce qu'il faut que je la mette... Je vais la mettre là? Ici, il n'y a pas de place à côté. Enfin, il y a de la place à côté, je veux dire. Ouais, ici, ça me semble bien. C'est pas trop proche. Allez, je vais mettre ici. Bon, ici en fait. Mais proche de la pompe à eau, ça me semble logique, je sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est pas, ça change pas grand chose, mais voilà. Ok. J'aimerais bien donner des rôles à mes castors. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Oh, ils ronflent! Ah, ils ont pas d'abri, les bébous. Il a 34 ans, il est sans abri, sans emploi. C'est un castor, quoi. Un castor, c'est un abri, normalement. Le travail, pompe à eau. Ah, c'est ça, ça dépend des castors. Oh, il a soif. Mais il y a de l'eau. Va chercher de l'eau. Siège de Cassie. C'est quoi le jeu, je connais pas. C'est un jeu de gestion avec des petits castors. Free TTS, un nom. Avoir un castor à mon nom, je sais pas, peut-être, hein. Voilà. Il est déshydraté, alors peut-être qu'il va mourir bientôt. Des os, si c'est le cas. Attends, est-ce que je peux augmenter le temps comme ça? Et là, du coup, faut que j'attende qu'ils aient du bois tous avant de pouvoir construire ça. Mais les chemins, du coup, sont pas pratiques. Faut que j'en mette d'autres. S'ils suivent vraiment les chemins à chaque fois, ça va être vite chiant. Ouais. Est-ce que je peux effacer un chemin? Je vais mettre un peu plus fort la musique. Quoique la musique s'arrête. Dans ces jeux-là, c'est chiant. La musique s'arrête toujours. Comme ça. Et là, je supprime ce chemin-là si je peux. Supre. Non, ça marche pas. Contrôle. Clic gauche. Supre. Bah ça va être un peu chiant. Est-ce que je peux faire tout un pan comme ça? Non. Voilà, au moins qu'il fasse un maximum de lignes droites. Sans faire les contours. La ferme est construite, c'est bon. Vous devez indiquer au fermier ce qu'il faut planter et à quel endroit pour qu'il commence à travailler. Utilisez l'outil plante de culture afin de délimiter un champ de carottes. Les cultures doivent être plantées sur une terre irriguée, sinon elles sécheront et finiront par mourir. Oh non!
Carotte. Ici, c'est irrigué. Voilà un petit champ. Un petit champ. Ça va le faire. Le plan d'urbanisation est déjà à revoir. Mais c'est chiant, vous avez vu comment... Je peux pas déconstruire différemment. Déconstruire. Je peux pas... ouais si, c'est ça, déconstruire un truc plus facilement. Tu dépasses pas la portée? J'en ai aucune idée, puisque j'ai pas lu... Enfin, j'ai lu à haute voix, mais j'ai pas lu ce que j'ai lu à haute voix. J'ai pas écouté, quoi. Non, c'est bon, regarde, je peux faire tout ça. Oh non, je suis large. Je peux même faire des champs partout ici aussi. Non, ça va, regardez. Regardez comment on est bien. Mais par contre, c'est l'irrigation surtout. Est-ce que c'est irrigué ici? Je ne sais pas. Comment savoir? Toi, tu irrigues? Est-ce que tu irrigues? Cette plante est arrosée. Sur une terre irriguée. Ah, mais c'est que les terres irriguées, c'est les terres vertes. Il y a des... Alors, je... il y a des événements, effectivement, Bloody, mais j'en sais pas plus. Je sais pas si l'eau peut déborder, mais je crois qu'elle peut être infectée. Et il peut y avoir des périodes de sécheresse. Démolir, plutôt. Ouais, c'est ça. Mais déconstruire, je préfère, parce que ça veut dire que je récupère les compos. Il y a un outil marteau. En bas à gauche. Ah, démolir les bâtiments, les ressources. Merci. Mais le jeu, il me dit pas. Et du coup, là, ils arrêtent tous de bosser, ils vont dodo. On accélère un peu. Tu énames tes marmottes, toi, si vous voulez. Qui, lui? Hop là, il va s'appeler Bloody. Non, c'est avec de haut. Voilà. Donc j'en trouve un vieux pour Trapil. 4 ans. 5 ans. 32. 36. 8. Voilà. Mais quoi, t'es dans mon jeu? C'est vrai, hein, je devrais mettre réservé au sub. Donc, alors pourquoi? Non, c'est bon, ça se plante, ça se plante. Ah oui, non, c'est que j'en ai pas mis assez en fait. Je pense qu'il en manque parce que j'en ai pas mis assez. Je n'en ai pas mis assez. Attendez, attendez, je plante des carottes. On pensera aux marmottes après. Voilà. Ah, c'est juste que j'ai pas assez de champs en fait. Je pense. Voilà, là je suis à 100. Si tous les bâtiments que vous devez placer disposent d'un espace de stockage, ils se rempliront rapidement. Construisez des bâtiments de stockage supplémentaires pour les rondins et l'eau. Chaque bâtiment de stockage ne peut contenir qu'un seul type de ressource. Vous pouvez le définir après avoir sélectionné le bâtiment. Construire grand A. Régler grand A sur rondin. Construire petite cuve. Régler petite cuve sur eau. D'accord. Grand A. Un petit A ou un grand A? Oh, mais c'est joli comme ça. Oh, je préfère comme ça. Pourquoi quand je fais stockage, ça change la couleur de l'eau? Je comprends pas du tout. Bon, c'est pas grave. Attends, grand A, construire grand A. Bah si, c'est stockage. Grand A, petit A, grand A. Je vais mettre ça dans les zones, voilà, un peu pas irriguées. Ça c'est quoi? C'est rondin, donc je vais mettre à côté des arbres un peu. Soit ici, soit ici.
Je vais mettre un là. Quoique non. C'est con parce que ça... ils vont tous y aller. Je vais le mettre au milieu. Attends, j'annule. Je vais mettre au milieu de tout. Hein ? Voilà. Voilà, je vais mettre là. Et ensuite, petite cuve, grande cuve. Petite cuve. Jolie petite cuve. Mettre à côté. Ça sera pas trop loin de l'eau. Parce que ça change. Mais là. Voilà, je mets là. Et tant qu'il n'est pas construit, je pense que je peux pas sectionner. Chantier, bon, c'est quasi fini. Ah voilà. Rondin. Petite cuve sur eau. Voilà, c'est réglé. J'ai pas écouté ce qu'elle a lu. Quoi ? Comment ça ? Tu peux mettre des bâtiments sur l'eau. Écrit. Oui, ah oui, oui. Bah, sur des rondins. Non, sur l'eau, je sais pas. Pour des rondins et de l'eau, pas sur l'eau. Non, bah, j'ai lu là. Le stockage se remplit rapidement. Les stockages supplémentaires pour des rondins et de l'eau. Chaque bâtiment de stockage peut contenir un seul type de ressources. Vous pouvez les régler. Oh, 3 cuves, j'ai pas fait gaffe. Il me faut 3 petites cuves. Oh, jolie petite cuve. Donc non, c'est pas sur l'eau, c'est pour l'eau. Pour les rondins et l'eau. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais bon, oui, les cuves, j'ai juste oublié que c'était 3, c'est tout, ça va. Oh, ça va. Vous oubliez jamais rien, vous, messieurs, madame, parfait. C'est bon, si j'y suivais. Ouais, c'est toi qui n'as pas suivi. T'es carotté. J'ai tellement 40 ans. Et mon castor. Ah oui, on ferme un loup, bien sûr. Attends, le castor, on va faire un loup. Ah bah c'est bien ça. Voilà. Le drapeau le bûcheronnage. Non, il avait 22 ans. 72. Mais j'ai pas de castor assez vieux de toute façon. Ils sont tous... J'ai pas du castor assez vieux pour pouvoir en trouver pour tout le monde. Alors on fait ce qu'on peut. C'est des castors néerlandais. Ah, 41, je vais appeler Gail. Pour voir si elle écoute. Ok, let's go. Oui, c'est vrai. Tu as raison, j'ai pas sélectionné. Et celui-là, pourquoi il est pas construit? Pourquoi c'est si long? Manque de matériaux. Ah oui. Bon, bah on avance. Bah il écoute ton live. Arrêtez. On a fait un test. We did the test. Bon, il manque juste un peu d'ouab. Et fini. Pas grave, c'est du coca. Comment ça va être tiédas, le cocasse? Les rondins et l'eau ayant un endroit où être stockés,
Vous devriez en préparer un pour des baies et la prochaine récolte de carottes. Oh, ça va, je savais ça. Ah, des tas souterrains. Tas souterrains. Je vais prendre un moyen entrepôt. Et j'imagine que ça, ce sera... Je choisis, en fait. Ce sera pour l'un côté les carottes, de l'autre côté pour l'autre truc. Là, c'est bien, là. Je vais mettre là. Je vais mettre carottes et je vais en mettre un en face pour les bas. Mais un plus petit, peut-être. Oui, un plus petit. Voilà. Ah, deux entrepôts moyens, j'ai pas fait gaffe. C'est deux entrepôts moyens, pas qu'un. Et ben tant pis. Mais bon, il y a plus de baies en fait nulle part. Alors peut-être qu'à un moment je pourrais les replanter et puis je pourrais escalader un peu, mais... De toute façon, c'est que pour le tout début, les baies, je pense. Les maisons améliorent le bien-être de vos casteurs et favorisent la croissance de votre population de rustiqueux. Construisez suffisamment de huttes pour loger tous vos casteurs. Les casteurs ne se reproduisent que si des emplacements vides, que s'il y a des emplacements vides pour les enfants. Oh, ils nous emmerdent ceux-là déjà qui sont même pas nés. Alors, hutte. Un fils de hutte. Et ben, je vais en faire 6. Parce que le jeu, il me le dit. Oh, je peux les mettre, je peux les superposer. Oh, je vais les superposer. Ah ouais, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Oh, j'aime bien ça. Structure. Chemin. Nous allons cheminer. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il faut des escaliers. Ah ouais, je les ai pas encore débloqués. Bah GG. Et je vais les débloquer bientôt, je pense. Je peux peut-être les débloquer, attendez. 70. Mais pas cette pointe de science. J'en ai combien, hein? 0. C'est pas grave, ça va marcher. Ils sont qu'à sauter. Merde! J'étais trop contente! Ça compte pas comme habitation. Mais si, elle écrit 5 sur 6, ça va. Ça compte pour le tuto. Castor plus heureux que jamais, vous avez atteint un nouveau record de bien-être, 4. J'ai atteint 4. C'est trop bien, hein. Allez, construisez, 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 construisez. Continuez. Ah, voilà. Des points de science sont utilisés pour débloquer des bâtiments plus avancés. Un inventeur produit des points de science dans la durée. Construire un inventeur. Je vais construire l'invention. Bah ici, il sera très bien. Le petit inventeur. Moi ici je vais remettre des huttes. Ah, ça commence à prendre forme, j'aime beaucoup. Pour le tuto, oui. Oui, non mais voilà, c'est là pour le moment je vais faire le tuto, après je vais avoir des points de science et j'aurai l'escalier. Mais ça ira bien. Regardez, en plus, ils ont déjà tous assez de maisons, en vrai. Donc ça va. Max qui le tuto. C'est un peu vrai. Pour nous entertain avec des effets. Et qui, du coup, oublie. C'est comme une imprimante qui n'a pas d'encre. Tu
J'écris mais ça imprime pas. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. C'est plus comme... Attends. C'est plus comme... Non, y'a... Des huttes. Mais oui, c'est vrai que c'est plutôt pour m'amuser avec la Go XLR, ouais. La moitié des maisons sont rouges. Ça va. Il vous saillera. Nous pouvons maintenant lancer la production de ressources plus avancées, mais certains bâtiments ont besoin d'énergie. Construisez une roue hydraulique le long de la rivière. Dépendante au débit d'eau, elle ne produira pas d'énergie. Non. Elle ne produira pas d'énergie s'il n'y a plus d'eau. Merci beaucoup, Nadjeo. Merci pour le raid. Merci beaucoup. Ça faisait quoi? Non, pas désactivé. Je voulais juste le baisser. Non, mais je lis. Mais quand on lit à haute voix, en vrai, souvent, on s'écoute pas tout à fait. On essaye surtout de bien lire. Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Oui, Nadjeo qui commence le stream. Alors, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou. J'espère que ça a été... roue hydraulique. Le long de la rivière, mais pas dedans, du coup. Ok, bah on va la mettre là. Bah, peut-être ici, je pourrais... Ah, mais... Ce qu'il faudra peut-être que je remette un peu des... Je refasse un peu des champs. Comme Titi. Et du coup, je préfère laisser un peu de place pour en refaire un tout petit peu. Je vais la mettre ici. Et du coup, il faut un petit chemin. Sur les chemins. Ils sont là. Je peux faire comme ça? Ah bah c'est super. Ça va être chiant, en vrai, au niveau du chemin. Parce qu'il y a des trucs qui gênent partout. Attendez. C'était où? C'était ça. Tu viens qui vient de sortir aujourd'hui? C'est Snow Plowing. Simulator for Snow. C'est quoi le principe? Je fais non sans faire exprès. Mais je peux peut-être faire un chemin. Attendez. Là je clean. Je vais. Est-ce que je peux détruire ça? Juste là pour faire un chemin. La ressource a supprimé. Ouais, juste pour faire un chemin, mais je sais pas si j'en ai besoin en plus. T'as pas l'air d'avoir besoin de chemin. Ah ouais? Ah bah je fais pas alors. Non, je veux pas détruire en fait. Ok, bah je vais pas faire de chemin alors. Je vais essayer comme ça pour le moment. Ok. Ah, déneigeur! Ah oui! Si, ça me dit quelque chose. La roue hydraulique va tourner avec le vent. Bah en fait, je pouvais pas la mettre dans l'eau. Du coup, bah peut-être qu'après, il y a un truc qui va faire que... Je sais pas. Mais oui, je suis d'accord, mais il disait le long de la rivière, mais dans l'eau, je pouvais pas. Je sais pas si la roue va marcher. Bah ouais, non, mais je comprends. J'entends bien, mais je pouvais pas la mettre dans l'eau. C'est une éolienne, pour le coup. Mais oui, le truc de déneigeur. Tu commences avec une simple pelle. Ouais, j'ai vu, en fait, la petite bande-annonce. Mais ça va, c'est pas trop chiant, surtout le début. Le prologue est gratuit. Ah, nice! Ça, c'est cool, ça.
Au bord d'une rivière. Bah, je suis placée au bord de la rivière, là. Attends, faut peut-être un truc de... Il est temps de produire des planches. Pardon, il est temps de produire des planches. Construisez une scierie et reliez-la à la roue hydraulique avec des essieux. Ah. De nombreux bâtiments peuvent se transmettre de l'énergie lorsqu'ils sont mitoyens. Ils sont mitoyens. D'accord, ok, non, mais je comprends, mais ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Je comprends rien. Je vais mettre comme ça, ici, je mettrai un chemin. Au pire, je ferai un chemin qui passe dans les champs. Ah, mais un chemin qui passe dans les champs, ça va m'emmerder, ça. Sécheresse en approche, bah c'est super. C'est super, mais c'est super chiant. Je comprends pas tout. Ah, les essieux. Comme ça ? Mais je comprends pas. Hein. Mais la roue, je peux pas la mettre dans l'eau. Attendez, on va étudier ça. Attendez. Mais bien que je peux pas, ça veut pas. Ah là, ça veut bien. Ah bah voilà. Ok, là ça va le faire là. Ok. Ok, j'ai compris le problème. Ça va le faire là. Je vais faire un chemin aussi si j'y arrive un moment à trouver comment. Faut virer. Ouais, c'est ça, faut virer ça. Non, mais ça va être chiant. Si ça passe à travers champ, ce sera plus pratique, même si ça m'emmerde. Des décombres. Ok, ça. Ok, maintenant je peux faire mon chemin. Ah, et là c'est des décombres. Ça doit être ça. Attendez. Bon, on va accélérer. Là c'est bon la scierie. Là ce sera relié sur le côté, ce sera bon. Je pense. Ils ont dit que ça devait être juste mitoyen, ils ont pas dit que ça devait être dans un sens en particulier. Donc là je fais comme ça. Et voilà. Like a glove. Like a clover. Et voilà. Et là, c'est des décombres. Ah bah, il est viré, ok. C'est bon. Prends un axe. Comment ça, un axe? Allez, des essieux, j'ai mis des essieux. Ah, mon truc est pas dans le sens de la rivière? Mais si, c'est bon. Comment ça, une chose? Si, bon, ok.
Ok, tu m'as fait peur. L'entrepôt de carottes est plein. Bah ça veut dire que j'ai plein de boue. T'es jaloux? Ça commence à ressembler à un petit village. Ouais, un petit village où la moitié des bâtiments sont inaccessibles. C'est mon côté un peu belge, ça. Nous avons besoin d'une source stable de rondins. Débloquez le forestier et construisez-le à proximité d'un endroit où vous souhaitez planter des arbres. Le forestier. Il va nous faire des sketchs. Il est où le forestier? Là. Comment je débloque? Non, moi je veux les escaliers d'abord. Pas tout de suite. Franchement, je pense que je vais prendre les escaliers d'abord. David Goudenhoff. Je suis à 86. Non, mais je vais faire ce que le tuto me dit, je suis en sécheresse. Oui. Oui. Bah je vais mettre ici le... Ah non, forestier... aussi, je sais bien. Attendez. Une source stable de rondins. Débloque le forestier à considérer la proximité d'un endroit où vous souhaitez planter des arbres. Ah, planter. Oui, mais... je ne sais pas. Bah je pense que je vais en planter par là. Ouais, c'est bien. En planter par là. C'est forcément là où j'ai coupé, parce qu'en vrai, moi, des arbres, j'en mettrais bien tout là. Mais bon, après, c'est loin de l'eau, donc à tous les coups, ça va pas marcher. Je suis en sécheresse. Bâtiments non reliés, matériaux de construction, bâtiments manque d'énergie, castors sont plus heureux que jamais. Ah, ça va. Faut que ça soit irrigué, bah là... Là, y a pas d'irrigation. Voilà, réarmer démographiquement ces bâtiments vides. Ouais, je pense que ça manque un peu d'éducation civique, tout ça. Mes castors, ils baissent plus. Je suis à Mad Max. Oui, j'ai plus rien, là. Les pauvres castors. J'espère que c'est pas trop long, les périodes de sécheresse. Je suis en normal. Du coup, je peux qu'attendre, là, en fait. Dommage qu'ils me disent pas un petit truc pour m'expliquer comment ça se passe pour les sécheresses. Irriguer, c'était pour l'eau, pas pour les réarmements démographiques. Du coup, je me suis imaginé des trucs. Bombardement de sperme! Pardon. Voilà, c'est ça que j'avais en tête. Plein de meufs dans un champ, et puis... Ah, pardon. Il est même pas encore minuit. Alors. Le temps de la sécheresse en haut à droite. Un jour neuf. Ok, ça va. Dans cycle. Je vois, je vois. Ouais, non, mais c'est la faute de Faircrow, c'est pas ma mienne. Moi, je suis normale jusqu'à ce que vous me disiez des trucs bizarres. Ouais, je suis moins normale. Bon. Je vais avancer à fond, excusez-moi. Parce que là, pour le moment, il se passe rien, donc faut vraiment que ça se dépêche. Je vais bientôt pouvoir débloquer les escaliers. 70, je suis à 51. Ça va. Je peux être coupable. C'est toi, ouais, c'est totalement ta faute. Ah, les arbres, ils poussent quand même un petit peu. Bah, c'est pas du tout 1,2 jours alors.
Ça fait déjà une journée entière que... Ah mais parce qu'on était... On est... Oui, ça fait quasiment deux jours, oui. C'est pour ça. Salut, hémoglobine. Comment ça va? Allez, on avance, allez. Moins d'une journée avant la fin de la sécheresse, ça va. Je vais pouvoir enfin avoir mes petits escaliers. 62, il me faut 70, je crois. Ouais, c'est bon. Après, genre un village presque normal. Avec les petits bâtiments, là. C'est trop pipou. J'aurais aimé qu'ils aient un côté quand même plus castor dans le style, avec du bois empilé, un peu plus de manière bordélique. Un peu plus de manière brute. Pour que ça ait un côté... petite hutte de castor. Parce que là, en vrai, c'est des cases. Hein. Y a pas... Ça n'a pas vraiment le charme que ça aurait pu avoir. L'eau est revenue? Non, pas encore. Dans quelques heures. C'est bon, je peux avoir l'escalier, je le débloque tout de suite. Ah, il faut un espace pour... Ah ouais, là... Ah merde. Pas le bon, celui-là. Je mets là et lui je mets là, comme ça je fais qu'un seul chemin. Voilà. Trapille est mort de vieillesse. Ah ouais, j'ai un personnage qui est mort de vieillesse. Oh non, Trapille, t'es mort de vieillesse. Bon, le forestier il se construit un peu là. Mais bon, là, c'est bon, ça va aller mieux. Voilà, ça tourne, c'est bon, ma scierie fonctionne. Oui, trop bien. C'est devant la porte, l'escalier. Ah, merde. Ah non, mais je suis dans la merde, du coup. Ah, merde. Ouais, j'avoue, je mets ça comme ça, moi. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah faut que je les déconstruise, alors. Pas tourner la maison sur place, je peux pas. Je peux que la casser. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Oh, fais chier, je vais devoir casser trois maisons. Voilà, attendez, là je l'ai cassé et du coup on va tester. On va mettre en normal. Les huttes, elles sont où? Les huttes. Voilà, et là ça fonctionne. Il faut que je fasse pareil ici. Ok. Ah ben il y a des gens qui dorment dedans. Je vais attendre un peu alors. Enfin, des gens, des animaux. Vous pouvez désormais planter des arbres. Choisissez l'outil plante des arbres et des buissons et planter des pins. Comme pour les cultures, vous devez arroser les arbres pour qu'ils poussent. N'oubliez pas de les marquer pour l'abattage. Ah, je devrais les arroser manuellement. Oh, d'accord. Plante des arbres, des buissons, je dois planter des pins. Je peux les planter partout ici. Bon, je vais tester. On plantait un là déjà. Oh, je vais les planter un peu de manière pas trop droite. Sinon, c'est un peu triste. Attends. Non, je veux pas faire ça. Non, attends. Non, j'aime pas, c'est pas beau. Attends. Merde. Bon. En vrai, je pensais que ça créerait une porte en fait. Je pensais juste que le jeu était malin. Eh ben non. Pas malin.
Bon, allez, il est le matin, là. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Celle-là, c'est bon. Celle-là, je vais la casser. Et je vais refaire une petite hutte. C'est une porte, il pourrait mettre une petite maison quand même. Ah, là le chemin et le truc il est pas bien mis. Bah, ça va m'emmerder parce que là. T'es obligé de le mettre là le chemin. Tant pis. Maintenant autosuffisante à condition que l'eau continue à couler. Envisagez de construire un barrage ou de placer davantage de citernes pour aider vos castors à survivre aux sécheresses. Vous avez appris des bases, mais vous avez encore bien des choses à découvrir. Bonne chance. Ah, c'est fini le tuto. Ce jeu, il est con, ça. Oui, je vais toujours non pour valider. Mais parce que d'habitude, c'est pas dans ce sens-là, les oui et les non. Moi aussi ça me trigger, hein, ça va. Hein. Bon, j'ai des escaliers. Ce serait bien qu'ils construisent ça. Il me faut des... Je pense qu'il me faut des castors en plus. Je vais mettre d'autres huttes, comme ça il me faut... Comme ça ils vont se reproduire. Ici du coup... Non. Bah si. Si, si, je vais faire ça. Complètement, complètement. Ça. Hutte, c'est là. Je vais en mettre deux comme ça. Voilà. Ok, ça c'est bien. Ensuite, le plantage d'arbres, ils le font ou ils le font pas? Parce que le truc d'abattage en vrai, c'est dans la zone, donc j'ai pas besoin d'en remettre un. J'ai l'impression qu'il y a personne qui va planter des arbres. Parce qu'en fait, c'est la sécheresse. Ça? Je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. Le tuto est battu! Ouais! J'ai fait top 1 au tuto! Je sais pas faire strike partout. Il manque d'ouvriers. Bah ouais, je veux bien des ouvriers en fait. Aucun ouvrier disponible dans ce district. Mais comment je fais pour avoir des ouvriers disponibles dans ce district? Le jeu, il m'a pas dit. Toi, t'es quoi, toi? Ah, il faut... En fait, il faut qu'ils se reproduisent, mes castors, je pense. Ah. Il me faut 4 ouvriers. Voilà, ouvriers. 2 sur 4. J'ai mis 2 sur 4. Mais je sais pas, là ça met un petit truc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. J'ai mis 2. J'ai défini la zone pour le plantage. Ouais, je l'ai pas fait exprès, mais c'est tout ça la zone pour le plantage. Et ça commence ici. Mais je crois que j'ai pas assez de castors de manière générale. Ah bah non alors. Peut-être sur le chemin pour qu'ils gênent pas. Bon, ils ont pas l'air de gêner. Faut irriguer. Bah oui, mais bon, le truc c'est qu'ils ont dit que... Enfin là déjà, ils sont quand même pas plantés alors qu'il y a pas besoin d'irriguer. Et ils ont dit que les arbres allaient être arrosés. Mais du coup, je comprends pas tout. Bref, je peux débloquer des trucs, ça va peut-être m'aider. Puis j'ai 50. Barrage. 120. Bâtiment non relié lequel? Complètement relié, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais il faut ça. Ça va être construit 2 secondes.
m'occuper à construire des huttes. Mais ils sont trop longs. Il me faut des ouvriers là. Oh là là, c'est trop long. Je vais peut-être en virer une hutte. Voilà. Justice. En fait, je veux une hutte en plus pour qu'il fasse des bébés. Il faudra un jour qu'il la construise, quoi. Là, ça construit zéro. Comment ça se fait que ça construit pas comme ça? Du coup, un castor, il a pas de maison. Bah ouais, mais construisez ce putain d'escalier! Je vous en supplie! Voilà, merci. On attend de matériaux. Ouais, en fait, j'ai vraiment pas de matos. Voilà. C'est bon, j'ai une maison en plus. Est-ce qu'ils vont planter des trucs? Non, ils vont... Pour le moment, ils stockent du bois, juste. Mais là, par exemple, c'est pas planté, hein. Un affaire à porter. Bah oui, mais... je peux peut-être planter des baies. Je vais tester, hein. Voilà, je teste, hein. Vraiment, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Quoi, lui, qu'est-ce qu'il a? Dents cassées. Ah. Viens, les récoltes, les stocks sont pleins. Ah. En fait, les stocks sont pleins. Je vais peut-être plutôt prendre plus de stockage, non? En vrai, ce serait peut-être plus intéressant. Je vais mettre un stockage en plus, hein. Un moyen encore, parce que... Ou un petit... Non, moyen. Et j'ai fait un chemin ici, c'est pour ça que je veux laisser exprès cet espace. Voilà. Donc ça ira de la bouffe. Moi, il me faut que je trouve un moyen de stocker de l'eau. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais j'aimerais bien voir le barrage. Pas tout de suite. Non, bah ils vont pas planter. Je ne sais pas. Je sais pas comment faire. Aucun de mes trucs de plantation n'a été planté. Donc est-ce qu'il y a un truc à faire? Je vois pas. Ça marche, Infernalou. Aucun ouvrier disponible pour ce district. Mais ouais, il manque un ouvrier en fait. En fait c'est ça, il manque un forestier. C'est pour ça que ça plante pas. Mais comment je fais pour assigner un castor? Là voilà, j'ai dit que je voulais plus d'ouvriers, mais en fait il en manque. Donc comment je fais? Il me faut une plus grande population? Je comprends pas. Donc il faut des huttes? Je vais essayer, hein, du coup. Ils sont contents, objectif. Voilà, ouais, qu'elle est dents cassées, mais bon. Habitation. On va en faire une de l'autre côté, comme ça, peut-être. Non, on va en faire une là. J'arrive pas à planter la petite graine. Non, d'une aucune manière. Faut attendre qu'ils se reproduisent. Peut-être. Écoutez, je refais une hutte, hein, autant utiliser le bois que j'ai. On a 85. Je vais voir les bâtiments que je peux faire. Poste de transport. Les camionneurs aident. Ah, des camionneurs! Aide les ouvriers du district à transporter des marchandises, ce qui augmente considérablement leur productivité. Centre du district. Ok, il est là, donc je peux en avoir plusieurs centres. Emploi des constructeurs. Ok, c'est pour avoir des constructeurs. D'accord. Bois, métal. Ça, je vais voir. En fait, je veux déjà augmenter mes capacités maintenant. Ouais, je manque d'ouvriers. Je ne sais pas comment améliorer ça. Matériaux manquants pour la construction. Bah, c'est pas grave, hein. Ça marche, Infernalou. Ma femme s'est fait opérer du canal carpien ce matin. Elle peut rien faire du coup. Ouh. J'espère que ça s'est bien passé. Ça doit l'emmerder. Bon courage à vous deux. Du coup. J'aimerais bien débloquer le barrage le plus vite possible. Ah, je suis à 104 sur 120. Franchement, ça va arriver bientôt. Barrage. Ah mais non, j'ai déjà. Mais je l'ai déjà. Alors, comment je construis un barrage? Ah oui, d'accord.
Ok. Je vais le faire genre là. Comme ça. Ouais, je vais faire ça. Avec un petit chemin. J'imagine. Et comme ça, ça me sert de pont. Mais je vais pouvoir passer dans cette zone-là. Je vais faire des stockages d'eau ici aussi, je pense. Parce que les sécheresses, elles sont vénères. Ne pomme pas. Je vais faire juste une pipe. Ok. Bon bah faut avancer maintenant. Ouais ça va, ok. Ah j'ai craqué. Moi aussi je vais me faire opérer du coup de carpien. J'ai fini mon coca? Oui. Pour mon plus grand désarroi. C'était comment? Plutôt horrible ou marrant? Moi je l'entends un peu mais pas très fort. Ça avait l'air plutôt horrible, mais je fais des tests des fois. C'est pour mon public de la nuit. Je fais des petits bruits. Voilà. Bon bah j'ai pas de matériaux. J'ai pas de matériaux parce qu'il plante pas, parce que j'ai pas de putain de forestier, le jeu il m'a pas dit comment en avoir. Merde! Horriblement ASMR, désolé. Je le ferai plus. C'était un petit test comme ça, j'expérimente, tu vois. Ouais, je sais pas. Hein. Ah ouais, non mais je peux même pas construire ça. Non mais c'est quel enfer quoi. Quel enfer, j'ai même pas deux bouts de bois. Le bois aboie quand je bois. Bah, le personnel de ferme. Mais comment je fais ça? J'en ai qu'un. Ah, je peux enlever le personnel de ça. C'est un fernalou. Eh ben, je fais quoi? Mais je sais même pas comment l'assigner un autre truc à fernalou. Mon affaire. Ah, je peux fermer un bâtiment, attendez. Voilà, je le mets en pause. Comme ça, peut-être qu'il va faire autre chose, un fernalou. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce poste-ci, je le mets en pause. On va voir, hein. Et toi, tu sais pas quoi faire? Ah ça y est, j'ai enfin quelqu'un. Ah ça y est, il va enfin planter, putain. Ouais, c'était ça qu'il fallait faire. Toi, tu sais pas quoi faire. Ok. Un peu compliqué à comprendre. Ouais, ça aurait été bien que ce soit plus précisément montré dans le tuto parce qu'ils ont, voilà, ils ont dit un truc comme ça et, mais c'était juste évoqué vite fait. Et j'aurais bien aimé que ce soit plus amené. Ouais, là pour le coup le tuto il manque de trucs parce que autant bah voilà le coup des huttes, des trucs comme ça, bah enfin c'était, je sais pas, les autres trucs ont été un peu précisés, mais j'ai l'impression que la gestion des petits personnages, des petits castors a été à peine expliquée. Juste il faut des huttes pour avoir des enfants et c'est tout. Les rôles des castors et comment ça se passe, il m'a rien dit le tuto. J'aurais bien aimé. Vu que c'est un système pas forcément instinctif pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de jeux de gestion en tout cas. Ça aurait été pas mal, un peu plus de précision. Ok, ça plante. Ça plante là où c'est secos aussi. Bon, bah ça avance.
On va bientôt pouvoir construire ça. Le reste a été construit. Par contre, niveau de l'eau... Au niveau de l'eau... Ah oui, là aussi. Niveau de la flotte, c'est pas dingue. Est-ce que je peux améliorer ma bombe pour en faire une deuxième? Oh, sécheresse en approche. Ça va être compliqué. Bah ouais, du coup, vu qu'ils plantent des arbres. Maintenant. Ça va être compliqué de fou. Bah, la deuxième sécheresse, ça devrait pas durer trop longtemps, je pense. Mais ça avance. Non, mais c'est beaucoup trop long. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit plus efficace. Plus de pompes. Ouais, faudrait plus de pompes. Mais bon, ils construisent déjà pas les trucs que j'ai mis. Le barrage devrait m'aider en fait pour ça. Le bâtiment manque d'ouvriers. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout manque d'ouvriers. Là, j'en mets qu'un. Comme ça, il y aura peut-être un peu de... Oui, c'est ça. Matériaux de construction. Bah ouais. C'est pareil, j'y peux rien. Hein. Ah, je suis niveau 5 de bien-être. Le problème des escaliers a retardé les naissances. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, mais là, ça fait longtemps que c'est fait maintenant. Mais pareil, le tuto m'a pas dit combien de temps ça met quand il y a une nouvelle maison avant d'avoir un nouveau. Ouais, en fait, ici, il n'y a pas besoin de... Ah, je peux pas avoir moins que un. Ok. Bah, pour le moment, je m'en pose ici. Comme ça, les autres, ils vont faire d'autres trucs, non? Aussi je peux mettre en pause, comme ça ils vont faire tous d'autres trucs. Genre planter les arbres et récolter la flotte. Je sais pas, je tente, je sais pas trop comment faut faire mais je tente. Parce qu'ici il y a des arbres hein, donc ce serait pas mal. Ça dit il y a pas beaucoup d'arbres hein, faut vraiment les planter très vite. Est-ce que ceux-là peuvent se récolter? C'est du bois mort donc je pense pas. Niveau bouffe. Ah, on a ce stockage qui est complètement vide. C'est celui-là qui a été rempli en priorité. Rempli en priorité. Attends, il y a bien des carottes ici. Bah oui. C'est bizarre, il se remplit pas. Alors celui-là, il... Ah, quasi full. Il est pas full encore. Et du coup... Eh ben lui, il plante plus rien. Il a planté ses 4 pauvres arbres. Et il ne plante plus rien. Ouais, je vais faire ça. Ouais, non, il plante plus rien. Je sais pas comment le forcer à planter alors que c'est moi qui lui ai dit. Et là, la preuve, il a planté dans un endroit où c'est sec. Donc c'est qu'il il peut le faire, là aussi. Je comprends rien. Ah, la zone d'implantation, tu peux redéfinir? Attends. C'est à la limite qu'il a planté. Donc c'est ici qu'il faut que je refasse du plantage, c'est ça? Ok. Alors attends, ok, je vais refaire alors. C'était des pings. Voilà. Je vais tester, hein. Je vais en enlever un de temps en temps parce que j'aime pas que ce soit trop une forêt, enfin trop un truc précis. De toute façon on n'a pas assez d'eau. Donc je vais un peu en enlever en fait. Voilà. Et oui je peux redéfinir les zones de plantation, de machin. Ici je pourrais peut-être... Bah ouais mais c'est déjà dans la zone je crois. Attendez. Coupe des arbres. Non, c'est rouge. Je vais tester, je vais voir si ça fonctionne. Hein. Genre pour couper tout le bois mort.
Voilà, je vais voir. Je vais voir. Et là, bon, la zone est limite, mais de toute façon, on se rendra vite compte. Je vais le mettre en on et on va tester. Et on accélère. Ouais, ils attaquent le bois dur. Ok. Okidoki. Va falloir que je refasse un poste ou que je déplace. Un petit escalier ici naturel. Ah, attends, si un petit escalier, ça veut dire que je peux faire ça. Ouais d'accord c'est ça. Ok effectivement il fallait que ce soit irrigué. Bon là c'est zéro irrigué parce qu'on est en sécheresse pendant 3 jours. Et on n'a pas de réserve de flotte, c'est nickel. Hello Gwenno. Ah je peux augmenter la zone de coupe? C'est vrai? Comment je fais? Parce que c'est pas moi qui l'ai défini. Hein. Qui est défini, hein. C'est pas moi. Hein. Non je peux pas l'augmenter. C'est sa propre limite. J'ai l'impression. En tout cas, là, il y a des trucs à faire. Non, je pense qu'il va falloir que je déplace. Quoique si je le dépasse par là-bas, bah ici, ça va être pareil. Quoique ici, c'est des baies. Donc limite, faudrait vraiment que je le déplace. Mais bon, qui dit déplacer, ça veut dire qu'il va être reconstruit, et le temps qu'il soit reconstruit... Quoi qu'il commence à avoir un petit peu de stockage, je vais essayer. Pendant qu'ils font tout dodo. Coucou. Coucou, c'est qui? Attendez, j'ai oublié où c'était. Attendez, pause, j'ai oublié où c'était. Coucou c'est silence, comment que ça va? Coupe des arbres. Ok. Ah c'est bûcheron... Bois. Voilà, drapeau du bûcheronnage. Si je le mets là. Si je le mets là, on n'est pas si mal en vrai. Comme ça. Ouais, comme ça on n'est pas si mal hein. Ok, je vais mettre comme ça. Je vais sûrement continuer le chemin après par ici. Voilà. C'est hyper. Il reste 2 jours de sécheresse, mais il n'y a plus d'eau. Je crois que j'ai plus du tout de flotte. 0. Ouais. Nickel, 2 jours sans eau. Bah à droite en fait je peux l'augmenter la zone mais ça sert à rien, il y a rien. Alors qu'ici ça sert à quelque chose parce qu'il y avait des arbres... Mais oui je peux augmenter la zone de coupe ici à droite mais il n'y a aucun arbre sec. Putain. Ça va et toi? Ouais ça va, on découvre Timberborn. C'est rigolo et c'est mignon. Après le tuto est un peu léger. Moi qui suis pas, qui fais pas beaucoup de jeux de gestion, j'en ai fait quelques-uns mais pas énormément. Et bah c'est, il y a plusieurs trucs qui sont pas limpides. Voilà. Sinon c'est sympa. À droite ça aurait été pour qu'il plante. Bah j'ai planté de toute façon dans la zone de bûcheronnage donc là y a pas de souci. Après c'est sécos donc ça sert à rien pour le moment. Et ici bah c'est pour qu'il coupe le bois mort sécos quoi. Et ici, ouais non, voilà, je... Pour le moment,
au moment, voilà quoi. Ça va, on a moins d'une journée. Le jeu coûte combien? Bonne question. Le jeu coûte... Il coûte moins de 20 euros en ce moment. Il est à 20 euros, plus ou moins. Attendez. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà le lien. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien de dire ça. Il est à 20 euros. Bœuf pisse pour arroser le ventre. Oh, ils ont tous soif, les bébous. C'est bon, ça va arriver. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, allez. Oh, mais c'est long. Oh, c'est si long. Ok, merci, je t'en prie. Il est encore en accès anticipé, mais il est très... il est maintenu par les devs. Ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Et je crois qu'il... Enfin, je sais pas s'il y a une date de prévu, mais en tout cas, ils sont dans une version qui commence à être pas mal avancée. Il y a pas mal de petites mises à jour et tout. Donc voilà. Petit jeu de gestion avec des événements, avec des castors. On n'est pas sur de la stratégie, on est vraiment sur de la gestion. Hein. Avec des petits castors et dans un monde, alors à ce qu'on m'a dit, un peu post-apo, où il n'y a plus d'humains et où il y a des sécheresses régulières et des infections et tout ça. Donc il faut faire en sorte de faire des stocks pour pouvoir affronter ces moments-là. Et on peut régler différents modes de la partie. Avant de lancer la partie, on peut régler la difficulté ou la personnaliser même totalement la partie, ou régler certains détails et tout ça. Mais la difficulté va faire en sorte qu'il y ait plus ou moins d'événements, plus ou moins difficiles, et plus ou moins de ressources en quantité. Là je suis sur une partie débutante. Enfin sur une partie, oui c'est ça. Je suis en mode normal et je suis sur une map un peu faite pour les débutants. Et du coup là comme vous voyez, je viens de faire face à ma deuxième moment de sécheresse et bah... J'avais pas assez de stock d'eau, malheureusement. J'ai pris un peu de retard sur plusieurs trucs et du coup, bah, je manque de ressources et je manque d'eau alors que je suis en débutant. Donc c'est... voilà, c'est bien au début de commencer mollo. Ça considère qu'on connaît les mécaniques générales du jeu de gestion. Ouais, c'est ça. Alors que bah, déjà, d'un jeu à l'autre, ça peut être assez différent. Moi, le dernier jeu de gestion que j'ai fait, c'était... Alors, c'était pas Tropico, mais c'était vraiment dans le genre. Mais c'était où on... Attends... C'était Evil quelque chose, où on était un méchant. Un méchant sur une île, on avait un casino en guise de... Ah non si, j'ai fait le Donjon d'Albuck récemment. Mais pareil, c'était des mécaniques assez différentes en fait, le Donjon d'Albuck. Les jeux de gestion que j'ai fait, c'était pas des jeux de gestion de ville, c'était plutôt des jeux de gestion de complexes, de donjons, de trucs comme ça. Donc c'est d'autres mécaniques. Il y a souvent pas besoin de gérer les quantités de bouffe et de flotte, par exemple. T'as plutôt besoin de gérer tes guerriers, tes trucs comme ça, t'embaucher, machin. Donc c'est un peu différent. C'est vrai que les jeux de gestion de ville, où tu dois avoir des habitants, où tu dois les rendre heureux et les faire se reproduire, tout ça, c'est un style, un chouette différent qui fait que moi, je suis moins habituée à ce type-là. Dans des mots, ils expliquaient plus de choses. Comment amener l'eau plus loin et tout. Ah ouais, ah bah ouais, là, moi, c'est vrai que le tuto était plutôt court. Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce qu'il faut que je réactive le tuto? Ou est-ce que j'ai des objectifs à faire pour... Bien-être moyen, moins 4. Oh non, j'étais à 4 avant. Bah, ils ont tous soif. Mais quand est-ce que l'eau est produite? C'est beaucoup trop long. Bon allez, j'accélère hein, parce que là déjà ils arrivent même pas à boire. Franchement, allez au bord de la rivière les gars. Hein. On fait une pompe. Ah, le truc c'est que je n'ai pas de bois. Ah si, j'en ai un tout petit peu. Mais bon, j'aurai pas d'ouvriers dispo pour. Ça devient un peu compliqué j'avoue. Je vais refaire une pompe. Une pompe et là pas. Regarde où est-ce que je peux la foutre. Je vais peut-être la foutre à côté, tant pis. Ouais, je vais la foutre à côté. De toute façon, je construirai des champs là quand je pourrai. Ici peut-être. Ici, okay, ça peut suffire. C'est peut-être que ça... C'est peut-être aussi que j'ai trop de... Ouais, attendez. Je viens de penser à un truc, j'ai peut-être trop de... Trop de ça et ça me demande trop d'eau. Donc je vais peut-être tout virer. Non, c'est là. Peut-être virer tout ça. Je vais laisser ça, mais je vais virer tout ça.
veux pas des bases de jeu de gestion, donc je vais voir. Ouais, je comprends. Et la pompe à eau, je vais faire en accélérer parce que là on est la nuit, c'est chiant. Pompe à eau, c'est là. La pompe. Parce que normalement le barrage aurait dû m'aider, mais jamais ils le construisent, donc je suis un peu en galère. Ah non, mais faut qu'ils le déconstruisent, monsieur chiant, là, au bout d'un moment, s'il vous plaît, faites des trucs. Regardez, ça fait 15 jours qu'ils ont soif, eux, ils sont jamais allés jusqu'au bord de l'eau pour boire, ces connards. Je vais tout mettre en pause pour qu'ils arrêtent tous de... Allez, pause. Allez, pause. Faites ce que j'ai besoin, s'il vous plaît. Ils vont là-bas. Ils vont tous là-bas. Et ils ne font rien. Il n'y a aucun qui m'aide. Là, je sais même pas qui doit faire ça. Hein. Bonjour, en scambag, comment ça va? Non, mais en jeu de gestion, où moi, j'ai bien aimé les débuts et tout ça. Et après, j'aime bien un peu l'humour. Bon, l'humour un peu parfois trop présent, mais ça va. C'est léger. C'est le donjon d'Albug que j'ai fait récemment. Si vous voulez un petit peu voir ce que c'est, il y a des rediffusions sur mon YouTube. Et je trouvais qu'il était assez accessible et un peu rigolo. Du coup, mais il y avait des petits soucis. Il y avait des manques d'équilibrage. Ils vont tous là-bas. Je vais péter un plomb. Je comprends pas. Déshydraté. Bah va boire. Je sais pas en fait. Je vois pas comment. Je vois pas comment faire. Là, il y a juste rien qui va. Je vais tout mettre en pause, hein. Peut-être qu'à force de tout mettre en pause, il y en a un qui va faire s'occuper de ça. Voilà, je les mets tous. Il y a personne. J'ai plus personne. Je sais pas. Tu sais pas, là. Coucou. Fermez le bâtiment principal. Bah je... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas ouvert. Hop là, j'en mets 15. Quoique ça, je ne sais pas ce que ça va faire, mais j'en mets 15. Coucou, c'est qui? C'est Surfmoine. J'ai des priorités aussi sur les bâtiments. Mais comment je sais ça? Et comment je vois ça? Et comment je gère ça? Noalé, c'est des castors. Hein. Les flèches rouges et vertes au-dessus du nombre de travailleurs. Mais ça, je ne sais pas ce que... Ah, d'accord. Lieu de travail, mais comment je suis censée savoir que c'est des priorités ça? Pour moi, c'est des flèches qui veulent dire content, pas content. Je savais même pas que je pouvais les sélectionner. Ça paraît... On dirait que c'est... priorité maximum. Moi, j'ai des canards tout bleus. Ah bah, parce qu'ils sont... Des canards, des trucs... Ils sont mourants, non? Ah non. Non, parce que c'est eux que j'ai sélectionnés. Ok. Ça, ils le font enfin, quoi. Oh, c'est si long! Quand tu finis sous l'eau, je suis sûr que les castors feront moins de malin. Mais arrête, enfin! La VOD du donjon. Merci, Trapid, d'avoir mis la VOD du donjon d'Albuck. En plus, j'avais fait une jolie miniature. Regardez comment c'est long. Eh, franchement, c'est trop long. Juste pour arracher des herbes. C'est même pas en plus récolter là qu'ils doivent faire. Hein. C'est juste tout raser. Eux, ils ont toujours soif. C'est insupportable. Je vais continuer à virer des récoltes. Je pense. Putain, enfin! Ok, pompe à eau, vite! Hop là, pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau, pompe à eau. Oh punaise, ils vont construire! Oui, parce que j'avais tout arrêté, mais c'est parce que au bout d'un moment, j'avais trop besoin de ressources. Mettre ici. Au milieu, je mettrai un stockage peut-être. Si un jour, ils le construisent. Allez!
Parce que là, la prochaine sécheresse, on est dead. Est-ce que tout le monde a fini par boire? Bon, c'est bien. C'est compliqué, mais ça avance. On va mettre un de moins. On va mettre priorité comme ça. En priorité, je vais mettre ça. Pareil ici. En priorité, je vais mettre ça. Ici, en priorité, je vais mettre un peu moins. Ah, ils sont beaucoup en plus. Je vais en mettre que deux. Voilà. Ah! Je vais mettre ça en priorité. Voilà. Je vais pas trop. Attends, si je fais ça. Oh non, ça change rien. Bon, bref. Ça, c'est quoi? Ça, ça bosse. C'est bien. Ah oui, j'ai plein de points. Je peux débloquer des trucs. Je veux débloquer un truc qui fasse que mes castors soient moins. Soient plus efficaces. Cabane de construction, emploi des constructeurs supplémentaires. Constructeur ou ouvrier? Ça peut être bien. Mais faut qu'il soit là d'abord. Attends, j'ai mis pause ça là-bas. Ah mais il est pas construit, il a jamais été construit en fait. Putain. Très bien. Salut Anis. Oui, Castorama, il m'a proposé ça quand tout à l'heure j'ai cherché un castor pour en dessiner un. Métal, ça va faire quoi? J'ai pas de métal, ça sert à rien. Drapeau d'éclaireur, oui voilà, j'ai pas accès. Bloque complètement l'eau. D'autres bâtiments peuvent être construits par-dessus. Du coup, je peux amener l'eau genre là-bas, ça serait ça? Peut-être bien ça, non? Oh punaise. Y'a pas d'école. Priorité. Ce qui est prioritaire entre la construction. Ah d'accord, ok, je peux le faire facilement. Punaise, mais pareil, hein, l'ordre de priorité, le jeu ne m'a pas du tout... Le tuto ne m'a pas du tout appris ça, pourquoi? Observatoire. Castor pour une sensation sur le monde qui les entoure, réservé aux castors. Seuls les castors sont autorisés à travailler. Mais j'ai que des castors. Mais ça me sert à quoi? C'est pas clair non plus. Ah, ça me produit juste plus de science, ok. Comment tu vas? Bah ça va, mais je suis perdu un peu dans le jeu. Parce que le jeu, en fait, eh ben, ils mettent pas tant que ça. Alors je suis un peu déçu. Ah, mais là, c'est la limite. Ah non, c'est bon, ça continue. Non, ça a l'air d'aller, en fait. J'en ai rajouté un. Là, je vais en rajouter... Je vais du coup remettre ça. Et voilà, comme ça. Et les arbres... Je verrai après. Et toi Yanis? J'ai l'impression qu'on n'a pas eu tout le tuto. Ouais, peut-être qu'il faut que... Mais il m'a pas dit si je devais genre reprendre une partie, faire... C'est pas une campagne en fait, donc je ne sais pas. Tu veux pas planter plus d'arbres? En fait, j'attends d'avoir de l'eau. Parce qu'à la prochaine sécheresse... j'ai toujours pas de flotte en fait en stock. Et du coup, bah non, j'ai pas envie de planter plus d'arbres pour le moment parce que ça va faire que j'aurai encore moins d'eau. Mais je sais pas du tout comment les forcer à vite construire ça. Il y en a combien qui bossent dessus? Je peux pas faire plus? Non, il y en a qu'un. Fais chier. Là, il y en a un aussi. Ok. Pardon, ça consomme pas d'eau de mes réserves. Je pensais, parce qu'il parlait que les arbres allaient être arrosés. Tu vois, cette plante a été arrosée, elle est en bonne santé. Du coup, contrairement à eux où il n'y a pas écrit que c'est des arbres arrosés. Du coup, je... Un peu malade. Ah.
Je l'ai été un petit peu à pas longtemps, mais ça va vraiment. En tout cas, que tu te remettes vite. Ça, ça mettre un maximum, hein. J'en peux plus. Hein. Ah, j'étais loin. Si je mets maximum, maximum, maximum. Voilà. Est-ce que le barrage peut m'en servir comme... Je sais pas. Je sais pas en fait. Aucune marchandise sélectionnée. Bah oui, mais parce que bon, il a mis tellement de temps à être construit le truc que j'avais oublié que je l'avais fait. La scierie, je vais la fermer pour le moment, non? Bah non, elle me sert à construire des bâtiments, je pense. Bonne hiver, Crow, des bisous. Je mets pas tout au max, mais c'est qu'au bout d'un moment... Au bout d'un moment, je sais plus quoi faire, quoi. Là, je vais mettre au minimum. Mais je vais la remettre en on. Ça, je vais remettre... Ouais, si, c'est bien comme ça. Ça... Non, ça, tu vois, c'est en priorité moyenne. Ça, je vais mettre en priorité basse. Ouais, ouais, ça, c'est... Ça, mais ça, j'en ai trop besoin, en fait, d'avoir une pompe à eau. Donc, je peux pas m'en passer. Impossible. Hop là. C'est pas le but du jeu. C'est un jeu de gestion, donc le but, c'est d'agrandir sa colonie pour qu'elle puisse... Elle puisse se développer... Et surtout, affronter les événements qui deviennent de plus en plus difficiles. Et les événements, ça va être des événements de sécheresse ou des événements d'eau infectée, de ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, le but, c'est de faire survivre sa colonie à tout ça, donc, en la développant et en stockant. Et pour le moment, j'ai beaucoup de problèmes avec le stockage d'eau. Et je veux qu'ils construisent cette putain de deuxième pompe, mais bah, j'ai pas de bois. Oh, la sécheresse qui approche. Ouais, je suis foutu, hein. Je sais pas comment faire. Et ces arbres, ils ne poussent pas, en fait. Jamais. C'est génial. Eux, ils ont poussé. Eux, non. J'ai vraiment pas assez de bois. J'en plante plein, pourtant. Mais je suis sûre que moi, c'est... Je suis sûre que le bois, ça me demande... Et puis, j'ai plus de stockage de... J'ai plus de stockage de bouffe, hein. Ça, ça met un temps de fou. C'est parce qu'ils font ça d'abord. Bon, ça va être quasiment fini. Mais vraiment? À 100% alors? C'est à 100%? Le chantier, il est à 100% terminé? Pourquoi tu me fais ça? Regardez, du coup, il dépense plein de bois pour finir un truc qui est à 100% fini? Mais c'est qu'un chemin, en fait. Ah oui, c'est le chemin qui est à 100% fini. Ah voilà, le barrage. On bloque l'eau, mais on laisse un peu grâce à un déversoir. Ça, ça va me permettre d'affronter la sécheresse, mais il faut vraiment qu'ils finissent le dernier truc, quoi. J'ai pas de bois, putain. Ouf. Cette plante est fanée, c'est toi, fanée. Ça sent la fin. Franchement, ça pue un peu. L'allégorie de l'avenir de l'humanité, de la vie, finalement. De manière générale. Mais oui, un peu, parce que c'est censé être un peu post-apo. Genre, c'est après qu'il n'y ait plus d'humains sur le planète. Ça y est, ils ont fini. Continuez, faites ça maintenant, je vous en supplie tellement. 76%. Oui, ma peupon. Ma peupon, elle peupon. Peupon à max, j'en supplie. Oh, enfin. Voilà, là j'ai plus d'eau. Là j'ai un bon... voilà, et là il y en a un peu moins, c'est normal. Voilà, voilà. La priorité sur la pompe. Ouais, tu as raison, sur les deux. Allez, en priorité, remplir ces putains de cuves, parce que là c'est la sécheresse dans une journée. Je vous avoue qu'on n'est pas prêt. Je vous dis tout de suite, on n'est pas prêt. Je vais mettre priorité normale ici. Wow! Ça, je vais remettre en ça, mes priorités un peu basses. C'est toi, waouh!
Là, je vais en mettre deux de moins. Voilà. Ça, c'est normal. Je vais mettre priorité basse, ça. Même très basse. Le barrage va bien nous aider. Oui, je pense. Du coup, ça va pas s'assécher d'un coup, je pense. Remplissez les cuves, je vous en supplie. Et ça, du coup, le bâtiment a besoin d'énergie pour fonctionner. Ah, mais oui, du coup, il n'y a plus d'énergie parce que l'eau n'avance plus, c'est ça ? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Oupi. Je peux déplacer la roue. Ah, je peux pas, c'est ça le problème, je suis obligée de casser. Et t'as vu le temps que je mets à construire le moindre truc? Ça va rester comme ça pour le moment. Hein. De toute façon, pour le moment, j'ai besoin d'eau. Ils ne remplissent pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec la flotte, mais je pense que c'est vraiment les plantations qui me demandent trop de flotte. Mais il n'y a pas de stockage d'eau. Hein. Aucunement. Nulle part. 0, 0, 0. Je sais pas comment faire. Profondeur 1. Limite 2. Je comprends pas. Profondeur max, c'est-à-dire 2. Bonne nuit. Troisième pompe. En fait, le problème, c'est qu'ils ne déposent pas l'eau. Et je sais pas ce qu'ils en font. Là, par exemple, voilà. Là, il y en a un qui en vient. Bon, non, ils vont se coucher, là. C'est pas le bon exemple. Bon, je pense. Voilà. Ah, ils vont faire d'autres trucs, en fait, avec. Ils vont pas du tout stocker l'eau. Jamais. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas comment changer ça, mais ils ne vont jamais ici. Picole trop. Pourtant, il y en a qui ont clairement rien à foutre, hein. Ils vont pas stocker l'eau. Jamais. Aucun. Donc je pense que je vais continuer à enlever des plantations. Même si en vrai je n'ai aucun stockage. Mais non, mais je vois pas comment faire en fait. Statistiques de production. C'est là-haut un peu, mais je peux peut-être voir plus. Ouf. J'ai peut-être trop de castors du coup. Oh. Bah je comprends pas ce que je lis. Il y a des petites cuves, elles ont tous zéro de flotte. Énergie, production d'énergie, non, alimentation d'énergie, non. Il n'y a pas la production de flotte. Il y a le stockage. Tu vois, j'ai... Une unité de flotte toutes les 0,33 heures. Productivité 76%. Eau, 11 sur 15. 8 sur 15. Mais voilà, ils vont jamais la chercher pour la mettre dans les... Oh si, un tout petit peu, putain, enfin. C'est pas ce qui fait que c'est si long, mais c'est vraiment beaucoup trop long. Je vais l'enlever, elle sert à rien. Ça peut me permettre de récupérer un peu de bois, ça sera toujours ça de prix. Il consomme trop. Ouais, j'ai trop de castors. Ah, je peux essayer de faire une autre pompe, hein. De toute façon...
toute façon, ils la construiront dans 3-4 ans. Produit d'engrenage à partir de planches, produit papier. Moi, je voudrais vraiment trouver un moyen d'améliorer mes bâtiments, mais je pense pas qu'il y ait de moyen pour le moment. Du coup, nous disions. Alors, je peux débloquer une meilleure pompe. Grande pompe à eau. Je vais le faire. Et je vais avoir pas la place du tout. Bien dommage, ça me semble bien ici. Sinon, je mets le chemin autrement et je mets ça là. Ouais, on va faire ça. Non. Oh, je peux pas. Mais vraiment, pourquoi je peux pas? Il y a la place. Tu saoules tellement, peut-être à côté. Là. Ok, on va le mettre là. Faire un petit chemin tout de suite. Et là, on va supprimer parce que. Mettre un ouvrier en plus. Ils ont pu stocker un peu de bois, un tout petit peu d'eau, mais c'est très peu. Plus proche de la pompe. Oui, je pourrais, mais en fait, le temps de déconstruire un truc et de le reconstruire, ça peut être tellement long que... Voilà, je pense pas que ce soit la distance, vraiment. C'est juste qu'ils le font pas, en fait, parce qu'ils en consomment trop de flotte. Je pense vraiment que c'est ça, moi. Bon, la sécheresse, mais on a ça. C'est bien. Ça, je vais devoir virer. Hein. Devoir virer. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, ça sert à rien, autant récupérer le bois. Bon, j'ai pu faire un tout petit peu de stock d'eau. Du coup, ça joue 2 jours 5. Bon, ça va. Ça devrait aller à peu près. Et du coup, où est-ce que je pourrais mettre la pompe? Est-ce que je ne la mettrais pas de ce côté-là? Ah ouais, la sécheresse, c'est pas pour déconner, ouais. C'est pas genre le niveau il baisse un peu, quoi. C'est d'un coup, t'as tout qui dégage. Une évaporation instantanée, finalement. Quelques morts. Oui, c'est vrai, oui. Mort de vieillesse. Mais bon, du coup, ils sont vite remplacés, je pense. Ça va le faire, on a encore de l'eau. Ça va le faire. Deux jours de sécheresse. Bon, l'eau elle va partir et je pense qu'on aura une journée sans flotte. Toi qui as bu toute l'eau,
On m'a dit il faut m'hydrater. On m'a pas dit qu'il fallait que je m'arrête un moment. Faut être précis, hein. Je vais virer ça, je pense. Ah, oh, j'hésite. Non, non, je plaisantais. Bon, tant pis, il y va quand même. C'est pas grave. Mais du coup, ils construisent plus ça alors. Vous pouvez construire ça ? Parce que je sais qu'il y a du bois, je le vois. Vous voulez bien construire ? Ce serait gentil quand même. Parce que là, ils vont juste là. Et ils chouinent. C'est, du coup, ils arrêtent totalement de construire ? Je comprends pas là. Ah ouais, il y a un fond. Non, il n'y a plus de fond. J'ai zéro de flotte là. Enlever les souches d'arbres. Bah le problème c'est que les arbres sont censés repousser à ces endroits-là. Donc oui, je peux, mais ça m'enlève des ressources. Mais je peux. Mais qui repousse pas, on dirait. Ou alors très lentement. Mais il y a du bois, pourquoi ils y vont pas? J'en ai marre. Je jure, j'en ai marre de rien comprendre. Mettre en moyen. Attends, c'est tout en moyen. J'ai des ouvriers qui sont là. Voilà, j'en mets un quatrième. Mais c'est quel matériau qui manque? Oh merde, j'avais pas vu! Je m'en veux. Ok. Sécheresse terminée. Bon, ça va aller. Ça va aller. Ok. Ok, ok. Et ben, on va débloquer ça. Produit des engrenages à partir de planches. Ouais, mais pareil, il aura besoin de ressources. Faut que l'on revienne un jour, quoi. Comment je mets genre le bâtiment comme ça? Merde, j'avais pas vu. Atelier proche de la Syrie. Quel atelier ça? Ouais, je vais faire la cire à côté de toute façon. Putain, je vais tellement manquer de bois, c'est ouf. C'est impossible. Enfin, là j'en ai en marque. Ah, l'eau revient enfin. C'est un peu long en vrai. Un petit peu. Je vais planter du bois. Je vais planter du bois. Neuf jours, un de bois, 12 jours. Oh ouais, non, franchement, vaut mieux deux de bois. Hein. Voilà, je plante un peu des trucs là. Ok. Du coup, il me faut ça. Donc, je vais faire priorité max. Là, pour le moment, je vais faire priorité minimum parce que ça sert à rien. Il me faut des planches. Merde, j'ai pas de planches. Bah oui, je sais que ça me prendra de l'énergie. Je sais bien.
J'ai fait le barrage. Ouais, en fait, c'est le barrage. Il est pas au bon endroit. Bon, on verra. Salut Super Marceau, comment vas-tu? Attends, du coup. Je fais une Siri. Toujours pas fait de blague sur le pays, hein. J'ai mûri. Ah mais je pourrais pas, la roue elle va pas tourner là avec le peu d'eau aussi. En fait, faut que je la mette en avant, pas en aval. Je vais tester mais ça sent... Ah, partage son énergie avec les bâtiments alentours. Ok, ça c'est bien. Et du coup je vais voir... si je peux placer la roue. Elle était où? Énergie. Ok. Je peux pas. Ah, c'est pas la bonne hauteur. C'est ça? Mais c'est insupportable, je veux pas, ça veut pas, ça me... Ah, es-tu élevé? J'ai pas assez, putain. Fuck! Ça me saoule. Je vais mentir, ça me saoule. Alors peut-être. Ah non mais c'est en bas, ça marchera jamais. C'est en bas. Voilà, là ça marche parce que c'est à la bonne hauteur. Là ça marchera pas parce que c'est pas à la bonne hauteur. Putain mais hey, j'en peux plus de faire cette erreur. Faut que je construise genre ici. Mais l'eau bouge à peine. Je fais comment là? Mauvaise roue? Comment ça mauvaise roue? Putain c'était la mauvaise roue, je me déteste. Et je peux jamais revenir en arrière dans ce jeu. Si je peux? Non. Non, non. Hein. T'es cookie. Ouais, c'était... Non, mais c'était la mauvaise roue, surtout. Je suis stupide. Je me suis endormie. Oh, oh bébou, ça va? Bien-être. Je m'étonne. On va avancer, on va... Je vais attendre qu'il récupère ça. Ce serait cool. Oh, j'en mets certains en priorité élevée, histoire qu'ils viennent. Bon, bah on va reconstruire ce que j'ai construit. Ok. Je vais faire d'abord la roue alors. On apprend, effectivement, on apprend. Mettre la scierie d'abord, je pense. Et le petit essieu. Il est où? C'est dans la roue. Ah non, mais ça veut quand même pas, hein. Thank you.
Mais la roue, je peux pas la coller au bord. Non, je peux vraiment pas, hein, c'est... Ça veut quand même pas, hein. Tout à l'heure c'était très facile, là ça veut pas du tout. Parce qu'en fait l'engrenage ne veut pas se coller. Non, bah je vais... Avant qu'il commence à construire vraiment. Oh mais les trucs dans l'eau, ils vont jamais les récupérer, je sens. Faut poser un bloc. Mais comment ça poser un bloc? Mais pourquoi le tuto m'a rien dit de tout ça? J'en peux plus, moi. J'ai tout lu. Et j'ai pas ces infos. Ça rend ouf, un peu. Est-ce que si je construis mon... Parce que l'eau est quand même un peu stagnante. Mais est-ce que si je construis genre là, ici, ma roue, ça va marcher? La roue contre le bord. Mais la roue, je ne peux pas la mettre contre le bord. Entrée bloquée. Ça, c'est le max que je peux faire. Je peux pas, en fait. Là, tout à l'heure, c'était le cas aussi, hein. J'ai dû la mettre là, hein. J'ai jamais pu la mettre au bord-bord. Hein. Ça marche pas. Ouais, c'est un peu normal. Voilà, là, je peux. Là, je ne peux pas. Oui. À droite. Je le fais à droite. Mauvaise roue. Putain, c'est encore la mauvaise. Le problème, c'est qu'elle était trop basse. Je vais retenter une 15e fois, mais... À force, hein, ça a passé. Mais ils pourront jamais être reliés. Attendez, ça, je vais virer. Faut que je mette l'essieu d'abord. C'était bon? Ah ouais? Comment vous êtes sûr? C'était bon, ok. Il n'y a pas de courant ici. Il y en avait encore moins avant, en fait. Moi, ma roue, elle était kéblo parce que justement, il n'y avait pas de courant. Ici, il y en aura forcément plus que là. Bon, je sais pas. En tout cas, elle n'alimentait rien. À droite. Là. Alors, à droite, ici, oui, mais ici, ce serait pas bon. Le barrage, j'en sais rien du tout. Oh non, mais si, il y a complètement du courant. Elle a plus jamais tourné quand elle était ici. Non, c'est bien là. Complètement bon. Par contre, je sais pas si ce sera bien relié, mais voilà. On va espérer que oui. Ça aussi, ce serait bien. Allez, hein, voilà, je vais mettre en élevé. Ah, mais c'est qu'il n'y a plus de stockage peut-être. Et c'est peut-être pour ça, j'ai rien dit. Ça va, petit Joe? Elle tourne, donc c'est bon. Ouais. Elle tournait plus ici depuis que j'avais fait le barrage. Hein. Alors attends, ça, est-ce que je peux la... C'est ici? Non, c'est le chemin, ça. Barrage. J'ai pas l'impression que je puisse régler grand-chose. Hein. Ou alors c'est peut-être ailleurs, mais le jeu m'a pas dit. Truc en engrenage, attendez. Voilà, et on va le mettre là. Que je peux le mettre même comme ça. Non, je vais mettre comme ça. Je vais mettre là, et ici, je mettrai sûrement un énième bâtiment. Voilà. Retour des planches, oui. Enfin, faut peut-être un stockage pour les planches. Ouf. Que je le mette à côté. J'ai deux stockages pour la bouffe, c'est pas du tout nécessaire. Résine de peigne. Châssis. Engrenage. Biscuit de massette. Ah, on verra plus tard tout ça. Hein.
Ah c'est vrai que je pourrais planter d'autres trucs, les carottes. J'attends, je vais attendre que ça se soit fait avant de replanter. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas beaucoup de... J'ai du stock de baies, mais pas du stock de carottes. Ah si, ça dépose un peu. Comment ça manquait de bouffe? Ah. Ok. J'aurais bien aimé que ça soit construit avant, mais je peux pas encore. Donc, ok. Peut-être que je peux mettre autre chose que des carottes. Des patates. 6 jours. Pour une patate. 4 jours pour 3. Ah, peut-être que les patates ça nourrit plus. L'entrepôt, ouais, ça va. Heureusement qu'il est là finalement. Non, je vais rester sur la carotte parce qu'en fait là je. Je dois optimiser. Après, faudrait que j'ai des petits stocks pour chacune de ces trucs, je pense. À droite des arbres que tu plantes pour ouvrir le canal. Oh! What the fuck? Oh oui, là, il y a un canal. Oh putain, j'avais pas vu! Merci beaucoup, Trapid. Ah, j'avais pas vu du tout. Ah ouais, ça ce serait bien ça. Comme ça je pourrais planter par là. Je viens de le voir, mais ouais. Mais le tuto, pourquoi il m'a pas dit? Et franchement... Annulé, je savais pas ce que c'était ça. Bien vu, ouais, bien vu. Regardez s'il y en a d'autres. Ici, je suis sûre que je pourrais construire un canal et tac, j'inonde ça. C'est sûr. Mais je sais pas comment. Là il fait une nouille. Et ici il n'y a plus rien à faire. Je vais fermer pour le moment. J'aurais bien aimé en mettre un autre ici. Bon allez, faut construire un peu hein. Planche traitée. Ensemble les rondins en planche. Mais c'est juste des planches, c'est pas des planches. Attendez. Planche traitée, c'est un autre truc encore qu'il me faut. Ah non. Renforce les planches en les appuyant de résine. Oh mais c'est ça, il me faut 800. Mais c'est impossible, je l'aurais jamais cette pompe. Je l'aurais tellement jamais. Si j'avais su. Ouais, je vais la virer hein, pour le moment. Je vais totalement la virer. Hein. 800 de ça. C'est, bon, je peux augmenter ma production de science, mais. C'est pas des planches normales. Et ouais, je savais pas que. Enfin, j'avais pas vu. Ils te disent pas en plus, ces petits bâtards. Ouais, c'est les planches qui brillent. Eh ben, je vais stocker l'eau plutôt, à la place. Pour le moment, je vais le détruire, lui. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, hein. Mais je galère, hein.
Détruit le terrain en dessous et déclenche les bâtons de dynamite adjacents. Bon, on verra. Je vais faire du stockage de flotte pour le moment. Bon, on va prendre les moyennes, hein, vu que tout est très cher. Voilà. C'est immestriquant. Plus de pompes, plus de stockage. Ouais, bah là je vois que mes stockages ils commencent enfin à être un petit peu remplis au niveau flotte. Donc je vais remplir un peu, le bois ça commence à aller mieux. Mais punaise, c'est compliqué. La bouffe c'est limite. Peut-être pouvoir faire un peu un autre champ ici. Et du coup, ah mais j'ai pas de bâton de dynamite, c'est ça ? Trop éloigné du district et ne peut être atteint par les constructeurs. Construisez plus de chemins. Ou un nouveau district. Ah. On verra ça plus tard. Je crois que ça m'arrangerait quand même. Faut que je fasse un chemin jusque là. Voilà. Finalement, ça se fait. Il faut plus de castors, mais pour ça, il faut plus de pompes. Ouais, de stockage. Il faut plus de pompes de stockage et de ferme. Mais je pense refaire une ferme ici. Vu que j'ai pu avoir accès à ça, je pense que je vais refaire de la ferme. Je vais refaire un tout. Ça a été détruit. Oui, regardez ici, je vais pouvoir planter des trucs. Enfin. Différents types de bois. On fout un peu. Ils n'ont jamais été plantés. Jamais. L'entrepôt à baies est vide. Ah ouais, merde, là ça va commencer à être compliqué par contre. J'ai pas. Ok. Ok, je vais refaire une ferme. Ça devient totalement obligatoire. Peut-être que je laisse la rive à peu près bien et ici je fais de la ferme. Ouais, on va faire ça. Peut-être à faire une ferme avec d'autres trucs. Grandir à la zone de bois. Où tu coupes du bois. Ah oui, je vais faire ça. Tenter la patate parce que j'imagine qu'elles ont plus de capacité de... Je sais pas trop comment dire. Il y a peut-être moyen qu'elles nourrissent mieux. Je teste. Donc je remplacerai. Ou qu'elles demandent moins d'eau. On met que deux. Je vais mettre un entrepôt à côté. Ça va faire trop. Mais par contre, il y a un de ces entrepôts, je vais le transformer pour un autre truc. Je sais pas trop pourquoi pour le moment. Mais j'aimerais bien le transformer pour un truc. Mais je sais pas quoi encore. Ouais, cueillir les baies, ouais. Putain, c'est vrai que c'est la sécheresse. Je plante plein de fermes au moment de la sécheresse. Je suis stupide. Un jour vous le construirez ou pas? Impossible de tenir tous les matériaux. Quoi encore? Engrenage, y'a pas assez? Planche, y'a pas assez? Mais si! Oh non, y'a plus. Ah.
J'aime bien faire un chemin ici. Bon, tant pis, je le fais un peu après. Faut que je le fasse de l'autre côté d'ailleurs. Drapeau de bûcheronnage. Et après, je dois dire que vous, qu'ils peuvent bûcheronner à certains endroits. Et les trucs de baie. Attendez, je fais ça, excusez-moi. J'essaie de me rappeler tout ce que le tuto il a dit. Chemin commence à être long, je vais faire un nouveau district, mais je vais attendre la fin de la sécheresse avant. C'est chaud. Ouais, c'est la musique du jeu, mais elle change. Je crois qu'elle change à chaque fois qu'il y a une sécheresse. Elle est un peu plus bizarre. Bon, attendez, j'essaie de remonter vos messages parce que vous m'avez donné des conseils. Ah oui, les baies, mais attends, je pense que c'est parce qu'en fait il est trop haut, mon truc à baies. Non, c'est bon, il fait ça. Manque de nourriture ce coup-ci. Ouais. Ouais, mais la nourriture, il y a encore 2-3 baies, et ici il y en a aussi. Donc, on va pas en manquer vraiment. C'est la flotte, quoi. Il reste 2 jours. District, où est-ce que je construis un nouveau district? Faire du transport, mais je pense que autant faire un autre centre. C'est pas très grand quand même. Et c'est petit un district, je savais pas que c'était si petit. Quoi qu'avec le chemin, ça s'agrandit du coup. Où est-ce qu'il gênera pas trop là, je pense. Ça sert à rien. Ah zut. Mais y a même pas besoin de le construire. Y a plus de limite de district. Ah mais je sais pas, je croyais qu'il y en avait une justement. Bon, c'est pas bien grave. Je mettrai après un bâtiment à côté. Zone de récolte pour les baies, mais je peux pas mettre de zone de récolte. Je peux en planter quoi, mais il n'y a pas de zone de récolte. Juste, il faut qu'il y ait le truc qui soit là. Le drapeau. Mais contrairement au bûcheronnage, faut mettre que le drapeau. Alors que le bûcheronnage, il faut mettre le drapeau puis sélectionner. Mais iPad, mais t'inquiète. Moi aussi, ça m'a paru bizarre et j'ai recherché quand j'ai voulu mettre en me disant mais s'il faut le faire pour le bois, pourquoi faut pas le faire pour les baies? Peut-être parce que pour le bois, non c'est surprenant. Ouais. Ah oui, peut-être parce que pour le bois tu coupes les arbres, alors pour les baies t'enlèves juste les fruits mais tu laisses les arbres. Du coup, les trucs restent là, quand même. Ouais, c'est peut-être pour ça. Bon, il nous reste combien de temps? 1 jour, 7, 2... Oh, putain, on a déjà plus de temps. Bon, bah accélérons hein. Ça devient dur d'avoir de rendre mes castors heureux. Ah, ils sont quand même à 4 hein.
C'est pas si mal. Va falloir que je fasse des trucs pour qu'il soit content. Ouais, mes réserves de flotte, effectivement, elles étaient un peu plus remplies, heureusement. Mais je vais rajouter des pompes, hein. De toute façon, genre une ici, ça n'a pas perdu. Ouais. Quoi, pomper l'eau après le barrage, je sais pas si c'est très malin. Oui, oui, je vais faire des maisons, ouais. Mais là, je vais attendre la fin de la sécheresse. Je sais pas à quelle vitesse ils se reproduisent. Ou s'ils se reproduisent déjà et que le bébé naît en ayant en soif, peut-être pas bien. Je sais pas. Mais oui, je vais faire des maisons à côté du district. Ils ont tous la soif. Et ils errent tous. Non, bah je vais construire maintenant, finalement. Hop. Ah, je peux peut-être débloquer les meilleures maisons. Ouais, mais faut que j'économise. Je vais économiser, en vrai. Pour le moment, c'est pas tant nécessaire. Eh, mais mon chemin, il est rouge alors que j'ai mis un district. Mais le district, il est pas relié par le chemin. Bah c'est pour ça, mais je suis idiote. Un passage interdistrict. Eh franchement, on va mourir. Ça m'a saoulé. J'irai plus tard le district. Habitation. Par contre, je mettrais bien des habitations ici. Non, mais non. Allez. Quand même, j'aime bien, moi, ça. Je les mets en hauteur de manière... C'est pas utile du tout. J'aime bien. Je le fais. Parce que j'aime bien. Eux, ils sont trop dans une zone tranquille. Ok, l'eau est revenue. Ça va bientôt reprendre du service. Les machins vont bientôt pouvoir boire. Je vais mettre un stockage d'eau dans le coin aussi, ce serait bien, je pense. Ou deux. Ou mille. Je sais plus où ça. Je vais trouver. C'est là. Commencer à m'énerver un petit peu. Ah ouais, tu passes de 30 à 300. Ouais, mais pour le moment, elle est pas encore construite, elle. Des planches et des engrenages dessus. Ça va, ça reprend du service, là. Ah, il me faut des planches pour faire des engrenages. Ça, c'est bon. Priorité absolue, sinon jamais ils vont le faire. Je vais faire une petite cuve, tant pis. Une toute petite cuve. Ou deux. Non, c'est pas la bonne. Ah non, j'avais dit que je fais une petite pompe ici. Je verrai. Je verrai parce que je pense que c'est plus malin de faire la pompe ici, là où il y a plein d'eau flotte, plutôt que là où il y a le courant, non? C'est-à-dire, il va ghost. Ouais, les pompes, c'est ça. Ouais, non, mais ici, en fait, c'est chiant. Je vais essayer de faire une pompe ici. Je vais voir si ça fonctionne. Limite, on est là pour découvrir. Voilà. On va tester. Judy travaille bien, oui. Tu as plus de maisons, tes stocks vont descendre plus vite. Bah ça dépend de ça, maintenant ça se remplit bien parce que je construis moins. Enfin je construis des trucs raffinés. C'est l'eau comme d'hab qui est un souci. Mais l'eau tant que j'aurai pas des meilleures pompes et puis la bonne cuve, bah, j'ai l'impression que ça n'avancera pas beaucoup. L'eau descend plus vite même parce que j'avais pas de bouffe quoi. Là maintenant niveau bouffe ça va peut-être aller mieux, je sais pas. Un stockage que je vais virer. Lucie, je vais le virer. Non. Je vais le mettre en pause. Je peux pas. Bon, de toute façon, on s'en fout. Je vais mettre un stockage ici.
une ferme aquatique. Et un grill. Grill et légumes. Coucou. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, Catholise. C'est vrai, mais là, en fait, elle est très facile d'accès. J'aurais pas de chemin chiant à faire. Salut Naïmar. Je vais faire des pompes ici, je pense. J'aimerais bien qu'ils les prennent, ces débris. Ça me gêne en fait. C'est des planches en plus. Franchement, ce serait sympa de les récupérer et de les utiliser pour les trucs qui ont besoin de planches, genre ça. Ça plutôt. Et ça aussi. Non, ça a besoin de rondins. Attendez, le truc du grill, je vais tenter de faire ça. Je sais pas si c'est bien, mais faut qu'il bouffe. Et peut-être que. Je sais pas. Je sais pas ce que ça fait en vrai. Je tente des trucs. Ça, j'aimerais bien qu'il récupère. J'en supplie. Ah, peut-être je peux faire un stockage à... Bah non, ça marchera pas. Ce stockage là. Et oui, je peux mettre planche. Bon, faut que je stocke des planches un peu. Petit tas. Y a pas engrenage. Ça m'arrange pas trop du coup. Cette truc là ne m'arrange pas beaucoup. Ça peut-être. Engrenage, voilà. Place pour stocker. Si maintenant tu as là des planches. Pas de place pour stocker. Construire un bâtiment de stockage. Mais c'est pas vrai, il y en a un là. Des planches. Eh franchement, j'en peux plus ça, je comprends pas. Hein. Ah si, le truc à planches, il est vide. Là, il y a des planches. Ça marche pas. Fatigant. Franchement, c'est fatigant. Il y a des trucs que je comprends pas. Elle l'a fait, mais je fais tout ce que je peux. Ça dépend pas du même district. Si, si, ça dépend du même district vu que je l'ai enlevé l'autre. Possible d'obtenir tous les matériaux. Mais s'il y a des planches qui traînent, je comprends pas. C'est les bonnes planches que t'as mises. Ouais, ouais, c'est bah ça se voit. De toute façon, il y a que les planches normales ou raffinées. Donc celle qui brille. À la planche, hein. Ah mince, j'ai remis du coup ça a vidé, c'est con. Ici, il y a... Ah, ça y est. Ici, il y a la place. Arrête de dire ça, je t'en supplie. Ah, ça met juste du temps, mais ok. Je vais refaire une pompe.
Pourquoi on pas flotte ici? Quelle galère. Faudrait que je mette du stockage ici parce qu'il y en a pas. Je vais le faire tout de suite. Juste, je me rappelle plus où c'est à chaque fois. C'est là. Et du coup, c'est... C'est pas cuve, c'est ça. Franchement, je vais peut-être pas en faire un grand, hein, pour le moment. Quoique, vu ce que ça demande, si, je vais complètement en faire un grand. Non, elle est mauvaise. Une pomme de terre grillée, mais juste pomme de terre. J'ai fait un cuistot. Recette aucun. Ah, patates grillées. Ok, je vais pouvoir les griller et je vais mettre un tout petit stockage de patates grillées, je pense. Et c'est trop précis, par contre. Tout petit entrepôt. Ah non, mais ça va être trop long. Le chemin est immensément long, c'est stupide ce que je fais. Alors, dans le stockage, j'ai dit. Et ben en fait, après je crois, transporter des trucs d'un stockage à un autre. Obtenir les marchandises d'un autre entrepôt, mais il faut des camionneurs. Redistribuer les marchandises vers d'autres entrepôts. Vider les marchandises vers d'autres entrepôts. Voilà. C'est juste... C'est quand t'as des transporteurs. Le truc avec les stockages d'eau, pour le moment, c'est tellement long, il y a tellement rien qui se remplit, j'ai le time. Hein. Il va mettre une cuve ici, mais bon, elle sera pas remplie plus que les autres, quoi. Ça pompe pas, ça. Si, c'est bon. C'est compliqué un peu. Il me faut du stockage de base, enfin un petit, ou un moyen, totalement un moyen. De pompes. Ouais, non mais je fais, hein. Jusqu'au bout d'un moment, j'ai plus de rives pour faire des pompes. Ça va devenir très compliqué. Je viens d'en faire deux, ça a quasiment rien changé. Pour faire une là. Ouais, il est sympa, mais c'est vrai que je préfère quand même les gestions un peu différentes. Plus basées sur un endroit clos, gestion de complexes, de donjons, d'hôpital, de trucs comme ça, que le côté ville. Je suis moins... Mais bon, je suis très casu hein, dans la gestion aussi, c'est pour ça. C'est une maison qui merde, je crois, oui, parce qu'ils ont jamais voulu construire un escalier, je crois. Pourtant, ils peuvent, hein. Il faut des planches pour un escalier. Oh, je savais... Mais j'avais même pas de scierie quand j'ai fait mes autres escaliers. Ah si, peut-être. Bah c'est pas grave. De toute façon, ça consomme déjà trop de flotte. Non, ils sont en moins 2 en confort.
Le truc produit des engrenages des fois ou pas? Il lui donne des planches en plus. Combien d'habitants? 21. Et 3, 21 adultes et 3 enfants. Et j'ai 24 places. Allez, il faut que quelques rondins. Allez, please. Et ici, ça coupe un peu? Ah oui, j'ai pas mis de stockage pour le bûcheronnage. Je vais mettre ici en fait. Ah bah non, je suis obligée d'en refaire un. Putain, c'est vrai que les stockages c'est un peu chouchon. Je vais en mettre un petit. Je virerai pour en mettre un grand. Mettre ce côté là. Je vais oublier ce détail. Ça marche rapide, des bisous, bonne nuit. Et bonne nuit, Dizzy Bell. Bon dodo. Bon. À un moment, ça va peut-être aller. Au moins, ils peuvent stocker les rondins qui creusent ici. On va aller stocker la bouffe et les rondins. S'ils décident de le faire un jour. Les patates. L'eau, les cuves commencent à se remplir doucement. Cette cuve, bah, ça n'avancera peut-être jamais, je ne sais pas. Les engrenages, bah il y en a... Ah si, il y a une planche qui a été mise. 3 heures. Oh, c'est si long. Oh, c'est si long. Je vais remettre d'autres cuves, hein. Je vais en mettre d'autres cuves. Bonne nuit Infernalou, des bisous. Vous avez d'autres pompes? Oui. Le truc c'est que les pompes elles ont besoin de planches. Et ma production de planches elle est lente. Que si ma production de bois elle est lente. Non mais il faut combien de pompes? Franchement pour 21 habitants et 2 champs, il faut 17 pompes. Peut-être améliorer le rendement un jour quoi. Non non c'est bon Infernalou, merci. Non non. Mais le follow only, ce serait vraiment dans des cas très particuliers. Hein. Moi je suis pas fan. Mais merci beaucoup Tipito. Si gentil, si gentil. Oh punaise, allez, presque. Oh ils ont construit l'escalier. Eh, avance hein. Bon. En tout cas, on a une VOD de presque 3 heures, alors je vais l'arrêter. Il est peut-être temps que je l'arrête. Existe le banon... Non mais... Va te coucher. Et en même temps, je vais arrêter la VOD. Je vais peut-être continuer un peu. Oui, je sais, oui. Bâtiment manquant. Hein? Bâtiment manque d'ouvriers. Eh ben... Go mettre des ouvriers, j'ai beaucoup de dire. Hop là. Du coup, je vais arrêter la VOD. Des gros bisous. VOD.